Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, il y a plein de trucs à discuter. Et d'abord, ma fifi, elle est partie. Elle est partie à Amsterdam pendant une petite semaine, 6 jours, chez mon frère, avec les chiens, plein de trucs, etc., etc. Elle est partie avec la valise Mario que je lui ai faite. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est l'épisode 205. Je vous invite à aller le voir. Comment se faire une valise Mario Luigi juste avec des bombes de peinture, un peu de scotch et un petit peu de vinyle. Vous verrez, c'est super simple et ça marche ultra bien. Comme certains ont peut-être pu le voir, c'était l'épisode 205 et l'épisode 203 et 204 n'ont pas encore été publiés. Pourquoi ? Parce que je les ai pas encore finis. Voilà. Donc là, j'avais l'occasion de faire ça. L'occasion fait le larron, pif paf pouf. Mais l'épisode 203 et 204 vont arriver, vous inquiétez pas. Une des grosses nouveautés, c'est que je viens de recevoir, alors vous le voyez pas, mais je vais faire une photo. Tiens, d'ailleurs, je vais la faire maintenant. Une des grosses nouveautés de la semaine, c'est que, comme vous avez pu le voir, j'ai balancé les deux derniers vlogs et ils étaient un peu flous. Je sais pas pourquoi, le zoom, l'autofocus se faisait sur l'arrière et pas sur ma tronche. Donc, au bout de deux vidéos un peu foirées, je me suis décidé et j'ai acheté un moniteur 7 pouces que je vais brancher en HDMI sur ma caméra. Mais normalement, ça devrait améliorer un tout petit peu et me permettre au moins de voir beaucoup mieux ce que je suis en train de filmer. Dans les prochains jours, la madame de Banggood m'a envoyé des trucs pour que je puisse vous les tester et vous allez voir, c'est des trucs plutôt sympas. J'ai un set de stepping drill, je sais pas comment on dit ça. Mais surtout, elle m'a envoyé, enfin je lui ai demandé, un comparateur avec son pied magnétique. Vous allez voir, ça c'est super chouettos, et ça c'est vraiment cool. Ça va permettre, en particulier sur la scie circulaire, d'essayer d'être un tout petit peu plus précis. En général, les produits que je demande à la madame de Banggood, c'est des produits qui ne sont pas spécialement très chers, entre 10 et 30 euros maximum, mais le but est de voir un petit peu qu'est-ce que ça a dans le ventre, et est-ce que c'est utile, et est-ce que ça peut être intégré dans le fonctionnement standard de la grotte, entre guillemets. Donc très très vite, des nouvelles vidéos de trucs de Banggood, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, vous le saurez. Dans pas longtemps. Dans les prochains jours aussi, je vais vous faire un petit résumé des tests que j'ai fait sur les objectifs que la madame de Canon m'a envoyé pour tester. Alors justement, l'objectif avec lequel je filme, c'est le 10-18, c'est le grand angle, qui est vraiment vachement bien. Et si vous avez regardé l'épisode 205, vous avez vu que j'ai fait quelques plans avec celui-là, qui est un 55-250. Je suis pas un photographe, je suis pas un vidéaste, loin de là, je suis vraiment super nul. Je suis super nul mais je me soigne, j'essaye d'être un petit peu moins nul. Et je vais parler justement de qu'est-ce que ça représente et à quoi ça sert ces différents objectifs. Et pour ceux qui sont potentiellement intéressés, je ferai bien une toute petite vidéo sur le principe de réglage des DSLR pour la vidéo. Moi je le mets que en mode manuel. Et donc tout ce qui est distance focale, ISO, ouverture, vitesse d'obturation, etc., etc. Tous les trucs qui paraissent complètement barbares et que j'ai mis plusieurs mois, voire plusieurs années à maîtriser un tout petit peu. C'est vraiment pas très très compliqué. C'est des principes qui sont relativement simples à utiliser un peu partout. Et surtout utilisés sur quasiment tous les appareils, aussi bien les appareils photo que les appareils vidéo. Puisque même si on n'est plus en argentique, ils utilisent toujours le même principe. Si une vidéo comme ça potentiellement vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans un commentaire et je vous ferai une petite vidéo très très courte, très très simple et explicative sur ce principe-là. Un épisode aussi qui va arriver dans pas longtemps, c'est un épisode bien sûr sur tout ce qui est crypto, blockchain et tout ce qui est cryptocurrency, bitcoin. Je pense que je risque de faire 2-3 épisodes. Ça va être des épisodes très très simples puisque c'est de la prise en main entre guillemets. Et je pense peut-être on va essayer de se créer notre propre crypto-monnaie. Peut-être le Barbucoin. On verra. Grande nouvelle. L'ami Morgan, qui travaille chez un imprimeur, m'a fait gracieusement, enfin, vous a fait, parce que c'est pas pour moi, vous a fait gracieusement des super stickers à la grotte du Barbu.
Il y en a à peu près 200. Donc déjà, un grand merci à lui. Et comment est-ce que ça va se passer pour les stickers? Non, je les vends pas, je vais les donner. Le principe, c'est que tu veux un sticker, tu m'envoies une petite enveloppe avec une enveloppe timbrée avec ton adresse, et moi, je mettrai 5 stickers, la grotte du barbu, à l'intérieur. Je vais mettre l'adresse auquel il faut envoyer ton enveloppe timbrée. Bien sûr, je le mettrai aussi dans les commentaires. Et le but, bah, c'est vous faire du prosélytisme. Donc, je vais... Le mec, il me les file, je vais pas les faire payer. Non, mais n'importe quoi, toi. Vraiment. En ce moment, je suis un tout petit peu obsédé par le dernier album de Mastodon. Le dernier album de Mastodon, Emperor of Sand, qui tourne en boucle sur mon téléphone et sur mon ordi. Il passe à l'Élysée-Montmartre le 23 novembre. J'ai essayé d'avoir des places, mais elles sont toutes vendues. Et les places en vente comme ça, c'est genre 90 balles pièce. Donc si quelqu'un a une place pour le concert de Mastodon à l'Élysée-Montmartre et que tout d'un coup, bah, il peut plus y aller, je suis là. Comme vous l'avez vu, un programme chargé, 2 épisodes qui arrivent, des épisodes avec du matos que je vais tester de Banggood, des épisodes un peu plus geek caméra avec des objectifs, tout ça, de la blockchain, du bitcoin, de la cryptocurrency, hein. Et évidemment, le plan des revenus passifs qui continue son petit chemin, et il y a beaucoup de sujets qui sont vachement intéressants. J'ai toute une liste de sujets qu'il faut que je traite sur mes post-it, j'en ai plein. Dernier élément, mon ordi est en train de mourir, je suis en train de sélectionner des composants pour me refaire un ordi, une tour qui tienne un peu la route. Elle est en train de mourir, il souffre, hein, mais il est en fin de vie, voilà. C'est une chose qui arrive. Je ferai peut-être un épisode sur justement quel composant est-ce que j'ai choisi, pourquoi. Peut-être vous demander conseil, parce que je suis sûr qu'il y a plein de spécialistes, des psychopathes qui connaissent plein de trucs. J'ai fait certains épisodes qui pourraient être considérés comme des expériences. Par exemple, le report live sur le concert de Wardona, le truc du rangement qui a pas plu apparemment. J'en ferai d'autres, je m'en fous. Le but aussi est justement d'expérimenter aussi bien sur les sujets que sur les formats. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde, et le but c'est pas de plaire à tout le monde. Quand on plaît à tout le monde, ça veut dire qu'on fait des trucs bateaux. Je préfère que des gens se plaignent, et qu'il y en a certains, même s'il y en a que 2 qui me disent « ouais, c'est pas mal », eh ben moi ça me va. Ça me permet aussi de tester d'autres choses, et c'est aussi un élément important de la grotte du barbu. Voilà, c'est tout pour cet épisode, un peu update avec plein de sujets. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens sont dans la description. Tu laisses des commentaires, bien sûr, et tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Baudouin Scoï, je sais pas trop si je prononce bien son nom, aller cliquer sur le petit lien Utip, aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon pour acheter, comme par exemple, eh ben, le moniteur 7 pouces, pour essayer d'être un peu moins flou dans les futures vidéos. On est presque en hiver, il fait froid. Oh là là, vite, il te faut un sweat la grotte du barbu. Il y a des sweats, il y a des t-shirts, et tu les trouveras dans le magasin Spreadshirt spécial la grotte du barbu. Le lien est aussi dans la description. Voilà, j'ai fini de vendre mes merdes. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.